Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne Projet du Maroc. Aujourd'hui, le 9 mai 2024, nous vous proposons un épisode spécial sur l'intensification des investissements chinois au Maroc, un signe fort de l'intégration du royaume, dans le prestigieux projet de la nouvelle route de la soie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche pour ne rater aucun de nos reportages. Ces derniers mois ont été témoins d'une vague significative d'investissements chinois, dans divers secteurs clés de l'industrie marocaine. Prenons d'abord l'exemple de Yunnan Zhongxianzhou, qui prévoit d'investir 500 millions de dollars dans une usine de production d'anodes pour batteries. Annoncé en mars 2024, ce projet vise à renforcer le secteur des batteries au Maroc, essentiel pour le développement de technologies propres. En janvier 2024, Aeolon, une autre grande entreprise chinoise, a lancé la construction d'une usine de fabrication de pales d'éoliennes, d'une valeur de 245 millions de dollars. Ce projet illustre l'engagement du Maroc et de la Chine dans la production d'énergie renouvelable, alignée sur les objectifs mondiaux de durabilité. Plus tôt dans le même mois, le groupe BTR New Material a annoncé un investissement de près de 497 millions de dollars pour la construction d'une usine de cathode, élément clé des batteries électriques. Ce projet complète parfaitement celui de Gaussion Hightech, qui en juin 2023 a dévoilé un investissement colossal de 6,3 milliards de dollars dans une méga-usine de batteries électriques au Maroc. En septembre 2023, le fabricant chinois CNGR et Almada ont mis en commun leurs forces et ressources pour investir 2 milliards de dollars dans les composants de batteries électriques, renforçant ainsi la position du Maroc comme hub industriel en Afrique. Enfin, le plus récent projet annoncé en mai 2024, par Zhejiang Heliang, concernant un investissement de 288 millions de dollars dans l'industrie du cuivre, montre la diversification des investissements chinois au Maroc, soulignant l'importance stratégique du royaume dans le réseau économique chinois. Ces investissements ne sont pas de simples transactions financières, ils sont le symbole d'une coopération étroite, qui transforme le paysage industriel marocain. En s'alignant avec les grandes ambitions de la Chine, sur la nouvelle route de la soie, le Maroc se positionne comme un acteur clé, dans le commerce et l'industrie entre l'Afrique et l'Asie. Ces développements prometteurs renforcent non seulement notre économie mais ouvrent aussi de nouvelles avenues pour l'avenir industriel et technologique du Maroc. Nous espérons que vous avez trouvé cet épisode informatif et enrichissant. N'hésitez pas à partager vos opinions et questions dans les commentaires ci-dessous.